Bon allez, on est enfin reparti pour continuer ce jeu, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. De micro, de rec, de vidéo, de tout ce que vous voulez, de crépitement, de... Hein ? Parce qu'il y a eu apparemment dans les premiers lives sur ce jeu, il y avait un problème de grésillement apparemment sur le LGX et sur le micro. C'est un plaisir en tout cas. Un plaisir. Ça a l'air bien, bah tant mieux. On va voir. D'ailleurs, si des gens gueulent chez moi, dites-moi si vous les entendez. Bon là, il n'y a personne qui parle, mais des fois, ça peut gueuler de temps en temps. Donc si jamais... Parce que le Nosegate est prévu pour ça à la base. Bon, ça fait combien de temps que j'ai pas joué? 3 jours? Va falloir se remettre dans le bain, comme on dit. Et j'aimerais bien aussi faire un peu de Dark Souls 3. Je sais pas si on le fera aujourd'hui. J'ai envie de tester un mode qui est marrant. C'est Enemy Randomizer et Item Randomizer. Donc ça peut être vraiment marrant à faire. Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça permet en fait que les ennemis apparaissent de manière aléatoire dans la map. Enfin, au lieu par exemple que ce soit un petit squelette, ça peut être un boss par exemple. Et les items pareil, ça peut être n'importe quel item à n'importe quel endroit. Donc ça peut être marrant. Pam 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 pam. Après en vrai j'ai pas mis l'anti-bruit qui est lié sur pour ça. Allô? Bon, peut-être que j'ai tout niqué là. Et où le SSD? Oh là, il y a pas de SSD hein, je te dis. C'est parti ça, c'est la mienne celle-là? Comment ça, j'étais bien habillé? Ah ouais, j'avais tué le mec là. Ah d'ailleurs, on a trouvé la manette, je crois. C'est un peu, bon. Vraiment que j'aille fort, quoi. Ok. Alors, je dois faire quoi? Je suis perdu. Et non, le SSD, hein, Kerr, pour moi, ça. C'est un petit peu cher pour de la PS4, je trouve. Donc, comme la première fois, on va clean la première île. Et après on rushera entre guillemets la quête principale. Ouais, PS5 soon, j'ai hâte. J'ai hâte en vrai. Parce que en fait je me dis que ce sera mon deuxième PC, la PS5. Et que je vais sûrement acheter. Tu vois en fait tous les jeux d'aventure comme ça à la manette. Et ben je les achèterai sur PS5. J'espère que c'est fuite pour vous. J'ai même pas mis les stats. Enfin, je vais mettre les stats. Ça m'a l'air bien. Ok. Bon. J'attends le line-up de lancement de. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Non. En vrai, je pense pas à Day One. Parce que les premières consoles seront peut-être buggées comme la mienne qui est l'une des premières. Bon, elle marche encore, mais. Elle vient de Hong Kong, hein, comme j'ai déjà dit souvent. Et elle a des problèmes d'éjection de disque et de redémarrage. Enfin, elle redémarrait toute seule au début quand je l'avais acheté. C'est cool, tu joues à FIFA, hop, la play est éteinte, elle redémarre. Elle a enlevé le CD toute seule. J'étais content. J'étais giga content. J'avais masse défaite à cause de ça. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Bon, je peux pas mettre le message, je peux pas les mettre en vertical sur ce logiciel. Du coup, voilà. Regardez le SGX un peu. Donc là le jeu ne grésille pas comme la dernière fois. Ah. Allez viens là toi. Une petite loup là. Moi d'échauffement. Voilà. Merci pour la peau, c'est gratuit. Alors il fallait aller là-bas. Hop. Un petit mec qui s'est fait agresser. Il tire dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandit. D'ailleurs à votre avis il y aura quoi comme line-up? L2, en vol. Oui, je sais, je connais le jeu, hein, merci. Hein. Et alors, du coup, il veut que je trouve quoi? Donc là, il y a un loup, ouais. C'est vers la mer. Je sais pas ce qu'ils veulent que je trouve, en fait. Et alors? Je vais faire quoi, en fait?
Je... Moi, pas comprendre. Parce qu'il y a une mission. Il y a... Là, on a vu le mec, ok, c'est cool, mais il y a un truc à faire quand même. Y a des quêtes. Bois aux abois, tuer les brigands. Alors, ces gens n'ont pas pu s'éloigner depuis 150 mètres d'embuscade. Ok, donc faut vraiment que... Ah mais putain, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je suis en mission. En tout cas, ça fait du bien que je joue dans un truc fluide. Soit fluide. Donc... Je disais donc, à 250 mètres. Peut-être par là. Le truc, c'est comme j'ai fait tous les camps. Ça me baise un peu. Alors si je suis censé trouver des gens, ben je vais pas les trouver quoi, tu vois. Des loups là. Là-bas. Je comprends pas en fait, ils veulent que je trouve quoi en fait? Le camp là peut-être? Quelqu'un, fut, a fait cette mission au tout début du jeu, je sais pas si tu te souviens. Il y a de trouver des gens qui sont à 250 mètres. Parti vers l'ouest. Ah, vers l'ouest. C'est où l'ouest? C'est à gauche, ok, mais. Donc, attendez. Donc c'est peut-être le camp à gauche. Bon, tu vois, je vais y aller à pied en fait. Non mais je sais où c'est l'ouest, Alexia. Mais vers. C'est où pour eux l'ouest par A, là, W. Ok. Il faut que j'approche discrètement. Ah donc c'est là. En fait, j'ai déjà fait cette zone. Ah, ils ont respawn. Ah ouais. Ah, vous avez respawn aussi. Vous trichez. C'est qui m'aggro? LED. Encore toi. Il m'a vu le boss du coup? Parce que le loup m'a vu, il le. Ah non, il attaque le loup. Ouais, attaquer le loup. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bon, j'ai trouvé Fu, je crois que c'est ça. En fait, comme j'avais déjà fait le camp, avant de faire la mission, j'ai déjà fait le camp. Du coup, bah, mon Icaros, il trouvait rien. Elle tape fort, elle, what the fuck. Toi, t'es costaud, toi, en fait. Bah alors. Bah. C'est tout ce qu'il fallait faire? Encore des loups. Il y a des gens morts partout. Ouais, c'est tout. En fait, y a rien. Ah bah c'est bon, maintenant je peux valider la quête. Ok, c'est juste ça qu'il fallait faire. Ok, bon. Un peu SKNT cette mission, hein. Ah merde, j'ai pas fait le raccourci pour muter mon micro. Donc c'est le seul raccourci que j'ai pas fait dans le logiciel. Merde. Enfin, je le ferai manuellement. C'est vrai que j'ai un cheval aussi, moi, je suis un connard. Comment on l'appelle déjà? Ah, apparemment, mon cheval était blanc et est devenu noir. Yes. Apparemment, il y a eu un petit souci. Allez, saute. Hop là. Ablette. Ah là, c'est Phobos. Non, celui-là. Ablette. Ablette, c'est dans The Witcher.
Bon. Et ben les chargements, ça va être bien. Ah, le serviteur de Marcos, avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. Le serviteur? Non, je ne crois pas, non. Je voulais dire son bras armé. Est-ce que je peux être bête? Ça devrait te suffire, jusqu'à ce que le reste arrive en ville. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Ah, ok, par contre, ça va me faire chier, ça. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. Bon, ça fait pas de bruit, hein, sinon vous serez devenu sourd. Ok, bam bam bam, tout est bon. Alors, eh bien, évidemment que j'ai pas donné l'argent à Marcos par contre, hein. L'argent il est à moi. À moi. Bon, alors, il y a quoi comme quête? Il y a celle-là. C'est Foyer B. Et il y a une quête juste à côté, regard caverneux. Pa, 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 pa. Bien joué. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Hop là. Je sais qu'à un moment il en faut masse du fer et des bois et tout là. Il faut pas que j'hésite à en prendre quand je cours comme ça. C'est vrai que le jeu est grand quand même. Il est très grand pour peu de choses. En fait il est grand mais... Enfin, pour rien en gros. Vous voyez, c'est assez vide dans certaines zones en vrai. Est-ce qu'on fait ça d'abord ou l'autre? Ah, l'autre en premier. Surtout si c'est pour rendre une quête. Ah, te voilà! Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors, ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes? Et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique. Jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Vous m'avez dit quoi? On m'avait dit le jeu tourne à 15 FPS ou quoi? Non. Pas du tout. Bah il tourne à 30 je pense comme c'est la play. Reste à trouver cet œil. Mais c'est du 30 fluide donc ça va. Enfin, normalement. Caché. Et c'est horrible. Ouais ouais. Quand t'es habitué à...
244 Hz, j'imagine. C'est la voix de Superman, c'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup de quêtes secondaires, oui, il y en a énormément. Mais on va se concentrer principalement sur les principales. Là, on va faire. Par contre, on va faire la première île en entier au début. Et après, on fera la quête principale. Mais très peu de jeux tournent à 144 FPS. Perso, je vois pas la diff au-dessus. Ouais, ouais, ok. Comment c'était avec Marcos ? Je vois. Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui ? J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli un enfant qu'ils auraient surpris à voler. J'étais tout jeune. Hein ? Je suis toute jeune, moi aussi, et je me débrouille toute seule. Qu'est-ce que tu veux, Fouibé ? Tu connais Kaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Icaros... C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Gamine insupportable. Bon. Ouais, du coup, tu m'as dit, ouais, j'ai déjà lu, et ouais, la voix d'Adrien Antoine, évidemment, parce que c'est Superman. Alors. Pin, 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 pin. On va faire cette quête-là. C'est chez le Cyclope, non, je crois. Et est-ce qu'il y en a d'autres après, genre, sur l'île? Ou est-ce que j'ai tout fait? Ah, il y en a une là aussi, c'est où? Ça, c'est quoi? Ok. Bon, on va faire celle que j'ai fait en premier. MEDRE. Comment ça MEDRE? Sauf le moine. Ouais ouais. J'aime beaucoup aussi mais... En vrai moi j'aime beaucoup bah, Christophe Lemoine, Adrien Antoine comme t'as dit, Donald Renew et le dernier c'est Richard Darbois. Voilà, les quatre... Ah non, il y a aussi Brigitte Lecordier, ça fait 5. Oh ! Oh, tout a bugué ! Topinette, il a tout fait bugger. Les émoticônes qui sont très bien placés, comme vous pouvez le voir, sur la droite de l'écran. Merci, Topinette, pour ton... tiers, roi. Ah, en fait, faut le mettre droit, sinon j'ai pas le face mask. Il doit durer plus longtemps, mais je sais pas, ça marche pas. Bon, tant pis, hein. De toute façon, on a l'habitude que rien ne marche. On a l'habitude. Ah, ma quête préférée. Ma quête préférée, yo, Turpinette. Et merci encore. Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici. Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Kaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins. Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer. Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens... Je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, et pitié! On est à peine malade! On va guérir! Personne n'en guérit! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié! On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mysterio. Donc là... On a le choix, en fait, les amis. Les gens qui sont là ont la peste, ok ? La peste, c'est le mal. C'est comme le corona, c'est le mal. Ils ne se sont pas assez lavé les mains, du coup. Ils se sont tous touchés, là, dans leur famille bizarre. Et ils ont tous la peste, maintenant. Et ça va contaminer toute l'île. Alors, on fait quoi ? Évidemment,
On va laisser cette personne tuer ces gens, parce que sinon, tout le monde va mourir. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir. Adieu. Combien d'autres mourront si je vous libère? Tu auras notre sang sur les mains. Tu agis au nom des dieux. Bon, j'ai pas que le leur sur les mains. Tu as leur bénédiction. Allez, ciao les gars. Et découpez-les bien. Tu ne les as pas sauvés? Mais Ekina, c'est mon ami. C'était pas à moi de les sauver, c'est compliqué. C'est compliqué. Je m'en bats les couilles de ton ami. Ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas comprendre. Comment tu le sais? Moi, je sais que tu n'as aidé personne. Il n'existait pas de bonne décision. C'est une situation impossible. Tu as peut-être raison. Il arrive que des gens bien meurent, Fouibé. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas. Ben voilà une quête easy comme ça là. C'est bien. C'est très bien même. Alors. Eh oui, il faut les buter, bien sûr, ouais, faut les buter. Faut les esquinter, faut. Tu te souviens plus que t'as choisi Turpinette? Ah toi t'as dû les sauver toi. Tu as dû les sauver, je pense. Et un point d'interrogation là. Que j'avais pas fait. Allez, téléportation. Qui dit téléportation veut dire chargement. Donc ça va être long. Bon, ça a l'air de bien marcher pour l'instant, c'est cool. Pour une fois. Donc espérons que ça fonctionne bien, le rec aussi. Et ce sera bien. Loup ton Discord. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, faut juste que tu stream encore 5 jours. Mais tu, ouais, et tu seras affilié à Turpinette. Alors. Où est la motte de foin? C'est tout droit, hein. Ouais. Vivement que j'ai le saut là, le saut cheaté là. J'ai hâte, j'ai très très hâte. D'ailleurs, bon, si je suis motivé comme hier, bon hier j'étais motivé mais Turpinette a live un peu trop tard. Du coup j'ai pas pu live après lui, parce que c'était trop tard je trouve. Si je suis motivé ce soir, oula, oui hein, ça a vibré. Eh ben, on continuera en nocturne pour avancer un peu. Mais ce sera sans cam je pense. Donc voilà. Allez, c'est au moment, c'est au tour du piaf de travailler, hop, petit piaf. Ok, y'a plus rien ici. J'ai déjà fait cette zone je crois, y'a une entrée de grotte. Y'a quoi ici? Normalement y'a un truc ici, ah, y'a un coffre. Franchement, les carrosses, c'est un peu cheaté. Alors, vous m'avez dit quoi? Dac. Ouais. Des eaux pas pu passer sur Pi. Ah, ok. T'as mal écrit. Ah, c'est qu'il y a une meuf au-dessus, j'ai oublié. Ah, ouais, c'est un mec, excusez-moi. J'ai pris pour une meuf. Parce que vu votre habit. Voilà quoi. Je suis obligé. Tu as envie de remplir ta bourse? Accorde-moi un instant. Je t'écoute. Je suis un exilé d'Athènes, même si mon apparence n'en est qu'un piètre témoignage. Être riche et dangereux à Kefalonia. Ton argent est un chant de sirène pour tous les brigands de Kefalonia.
Tu ne le garderas pas longtemps. Mes drachmes n'iront nulle part. En dehors d'une portion que tu toucheras si tu acceptes ce que je te propose. Quel est ton problème? C'est mon frère, Ornéos. Il a été enlevé par des brigands. Ils nous ont attaqués quand nous avons débarqué. Ils ont dû sentir notre richesse de loin. J'ai pu m'enfuir, mais il est enfermé dans une cage, comme une bête, sur le quai. Et tu veux que j'aille le libérer? Ramène-le-moi indemne, et je saurai te récompenser. Ouais, vas-y. Je vais libérer ton frère, contre de l'argent. Oui, oui, bien sûr. La drachme est la seule langue que vous compreniez, vous les Kefaloniens. Je ne suis pas Kefalonien. Je suis pas Kefalonien maintenant, tu parles mieux. Parle mieux maintenant. Alors. Je m'attendais, Mr. Busy, lol. Nia, tu étais en 720p et je me suis endormi hyper tôt en plus. Je vais me mettre mon live. J'avoue. Alors là, il y a 20 millions de personnages, les amis. Il y a 20 millions de mecs à tuer. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on commencerait pas par le coffre qui est au fond là-bas? C'est bizarre que lui là-bas il soit tout seul. Est-ce que Icaros a tout détecté ou est-ce qu'il a fait son truc à moitié? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bizarre qu'il y ait un mec tout seul quoi. Ah, il y a un mec là. Avec la chance que j'ai, le temps que j'arrive vers lui, il va se retourner. Bah heureusement, j'ai fait les quêtes secondaires parce que j'ai one-shoté pas avant. Là, je l'ai one-shot. Et ça fait plaisir. C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Donc là, il n'y a plus de mecs. Hop, un petit coffre. 1 sur 3. On a déjà un item niveau 6, c'est cool pour après. Alors. Donc là-bas, il y a 20 millions de personnes. Est-ce que j'ai mon arc? Mon arc, je sais pas si one shot. Hein. Oui, il y a un mec juste là. Quoi? C'est un mytho, toi, non? Un petit peu quand même, un petit peu mytho quand même. Ah, c'est trop compliqué, pourquoi? Pas dur? Bon, ça peut pas être plus dur que tes dessins à trouver, entre nous. Attends, parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop... En fait, ici, en fait, j'étais trop loin. Il y a encore des trucs ici. Alors là, il y a un truc déjà. J'arrive pas à trouver. Il est où? À gauche? À droite? À droite? Ok, c'est un prisonnier. Il y a un mec. Il y a encore des gens là-bas. Il y a encore deux mecs, ok. Tu l'as fini toi, Turpinette, d'ailleurs, cet Assassin's Creed? Il s'est retourné au pire moment, lui. Il a de la vie, lui. Ah, fait chier, j'aurais dû tuer l'autre. Après toi, tu joues en facile, Turpinette. Est-ce que c'était vraiment difficile entre nous? J'aimerais bien avoir l'ultime aussi, j'ai la barre bleue, la barre jaune à fond, et je peux pas faire l'ultime. J'avais des révélations, et trop compliqué, ça m'a pris la tête. J'avais fait révélation, oh mais révélation ça n'a rien à voir avec ce jeu. Révélation c'est un très très vieux Assassin's Creed. Là c'est un Assassin's Creed RPG, donc ça n'a, c'est vraiment pas le même type de jeu. Par rapport aux anciens AC. Ah ouais, tu veux galérer, ok.
Il y a un mec qui monte les marches, évidemment. Me casser les yeux-coups. J'aimerais quand même être discret, tu vois. Ah merde, lui va descendre, il va voir lui. Non, non, pas ça. Ferme-la, tu la fermes. Je préfère. En fait, ils se décalent vraiment tous vers moi, en fait, au final. Hein. Mine de rien. Mine de rien, ils s'offrent à moi, les mecs. Hein. Moi, ça me va. Hein. Offrez-vous à moi. Hein. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas un animal. Mais parle pas, il y a un mec là. Parce que si je te libère, tu meurs en fait. Et des fois, ils attaquent les gardes. Comment je t'ouvre? Là? Me voilà libre. Merci. Quand je pense qu'ils ont posé leurs mains crasseuses sur moi. Et toi? Tiens. Regarde où il va, regarde où il va. Regarde où il va. Hey, regardez. Il va où? C'est ton frère qui m'envoie. Il se bat au milieu du camp. Sache une chose, c'est moi qui t'ai libéré. Regarde! Si ton frère n'avait pas d'argent, je te jetterais volontiers au champ. Mais aussi, mais non, mais tu fais exprès d'être con aussi, comme une table. Ouais, pourquoi je voulais pas le libérer? Du coup, c'est qui est dans la merde maintenant? C'est moi! Eh oui! Eh! Hey. Non, la frappe magique. Enfin, la charge magique. Elle se dégage. Allez, tu vois les gars. À cause d'un mec là, d'un péon. Prendre des dégâts gratuits, ça va pas. Tu sais où je suis là? Non. Non, non, je sais pas où je suis. Pas faire. Putain, le mec il se suicide là. Je le libère, il se suicide. Du coup, ma quête elle a échoué. On est d'accord, la quête elle a échoué. C'est le frère du mec en haut. Je dirais qu'il est mort, hein, tant pis. Hein. Est-ce que c'est vraiment mon problème au final? Voilà les gars. Pas mal ce que j'ai fait là. Regardez-moi ce con là. Espèce de con. Alors plusieurs. Ok. Pour les quêtes secondaires, je pensais que c'est okay. Mais ouais, mais en fait, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais libérer à la fin. Et je fais, allez, je lui laisse une chance, je le libère maintenant. Voir s'il est intelligent. Et non, il est con comme une table. Con comme une table. Insupportable. Lol. J'ai des rimes en plus, t'as vu? Du coup, j'ai fait quoi? J'ai tout fait là? Ah non, il y a une cage là-bas. Allez. Bon bah toi du coup tu vas vivre hein, vu qu'il n'y a plus de garde. Bah GG à toi hein. Oh là regarde. Oh, le... oh c'est Sonic. Moi aussi je vais le faire hein. Ah bah vite hein. Waouh. Ça va trop vite. Sonic. Sonic. JBP de cette IA. Bon y'a quoi là dedans? Oh, il y a un truc bleu arc-en-ciel de la mort. Ah, ok, c'est un minerai d'oricalque. Nice. Ça, je crois que c'est rare. C'est utile pour un truc. Alors pourquoi, je ne sais plus, mais je crois que c'est. Faut la récupérer. Naruto Run. Ah, mais Naruto Run, je l'ai pas.
Ouais, je trouve des passages secrets et tout, on va les faire. Donc après j'arrête le rec parce que ça fait 35 minutes. 35 minutes, hein, ça passe vite, hein. Allez, on finit cette grotte. Ouais, déjà, la question c'est, est-ce qu'il y a des gens, quoi? Ah, je dois prendre. Allô? Ouais, merci. Là, il y a des torches, donc c'est habité par des gens. Les gens, ils aimaient bien les grottes à l'époque. T'as encore la motive de faire des vidéos YouTube quand personne... Ouais, ouais, moi je la motive. Hein. Et si t'en fais pas, bah ça sera pas look. C'est logique, non? Hop, allez.